Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je vais vous canaliser aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune du 8 mai qui sera sous le signe du taureau. Alors, ces énergies, elles vont être valables pendant environ 15 jours jusqu'à à peu près le 23 mai qui sera la date de la pleine lune. Il faut savoir que depuis le 5 mai, nous sommes en portail énergétique. Ce portail va durer justement à peu près jusqu'à la pleine lune. Donc, il me semble que ça doit être vers le 23 ou le 26 mai que ça s'arrête. Donc, on va être dans les énergies de pleine lune quand le portail s'arrêtera. Qui dit nouvelle lune, portail. Commence à être habitué, hein, ça va être compliqué, hein, on se doute bien. Alors peut-être que déjà certains ressentent cette énergie du fameux portail qui commence pile poil dans les énergies de la nouvelle lune en plus. Donc il est possible qu'il y ait déjà des personnes qui soient remuées depuis quelques jours. C'est tout à fait normal. Voilà. Déjà, j'ai une petite gêne là au niveau de la gorge. Ça va être du costaud encore. Ça va être du costaud encore. Bon. Ne soyez pas en colère. Ne soyez pas en colère. Ne soyez pas agacé par le fait qu'il y a des énergies difficiles en ce moment. Toutes ces énergies qui sont difficiles parce que soit vous avez lutté pour amorcer certains changements qu'on vous demande déjà depuis quelque temps, ou alors c'est difficile parce qu'il vous reste des choses à évacuer et que pour l'instant tout n'a pas été évacué. Donc c'est pour du bon. Je sais que c'est difficile, je sais que ça peut être douloureux, mais c'est pour du bon. Donc lâchez prise, à un moment donné, il faut lâcher. Il y a trop de personnes qui sont là et qui maintiennent des choses, des habitudes, des situations, des relations, parce qu'il y a encore des peurs. Alors, c'est pas un jugement, chacun va à son rythme, hein, comme je le dis toujours. Des fois, on sait qu'il y a des choses à faire, et puis ben, on ne le fait pas parce qu'on a peur, parce qu'on est retenu par plein de choses. Seulement, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, vous allez aller voir ma vidéo sur l'éveil spirituel. Moi aussi, j'avais des peurs avant de me lancer dans le métier que je fais aujourd'hui. Je peux vous dire que l'année 2017, pour moi, ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour me faire sortir de mes peurs. Hein. Ils y sont allés, hein, parce que moi aussi, j'ai lutté, je sais ce que c'est, je sais que c'est compliqué. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il n'y a pas de jugement, il y a juste le fait d'être prêt ou pas à le faire. Et des fois, ben, on est retenu, maintenu par des peurs. Et voilà quoi, donc ben, la vie va faire en sorte de vous faire souffrir, mais c'est pas le bon terme. Elle va vous pousser jusqu'au point où vous allez vous dire de toute façon, là maintenant c'est tellement le bordel que je peux plus rien y faire, autant que j'y aille quoi. Et s'il faut parfois nous pousser jusqu'à là, eh bien la vie, l'univers, appelez ça comme vous voulez, va le faire. Donc c'est pour ça que pour certains, c'est très 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 inconfortable. J'ai fait partie de ce lot-là en 2017. Hein. Je dis l'année 2017, j'ai accumulé. Hein. Allez voir ma vidéo sur l'éveil spirituel pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce que on m'a fait vraiment sortir de tout ça. On m'a confronté à énormément de choses et là j'ai dit ok, j'abdique. J'abdique. Je peux plus là. Là, je peux plus lutter. Là, s'il m'arrive encore un truc, je serai plus là. Donc allez-y. Foncez, faites ce qu'il y a à faire. Souvent, on a beaucoup de peurs qui sont infondées. Souvent, on se crée des projections sur le futur parce qu'on a vécu des choses. Ça s'appelle l'anticipation, hein, mais c'est une bonne chose parfois, mais c'est aussi une très mauvaise chose parfois qui peut nous freiner dans nos projets. Et ici, ben, on vous dit d'arrêter de lutter parce que vous êtes en train de vous rajouter des obstacles. Quand il y a des choses qui doivent s'arrêter, que vous devez lâcher, que vous devez laisser de côté, etc., il y a mieux. Il y a mieux pour vous. Sauf que dans votre esprit
et là encore, c'est pas un jugement, je suis passée par là aussi. Il vaut mieux ça, même si ça fait mal, que ça, parce que ça, c'est l'inconnu, parce que ça, je sais pas comment ça va évoluer, parce que ça, peut-être que je vais me casser la gueule, peut-être que ça va être le drame de ma vie, peut-être que je vais rester sans argent, que, etc., etc. Il y a toujours des excuses, il y a toujours des mauvaises, entre guillemets, excuses. Bien sûr qu'il est légitime d'anticiper, de ne pas faire n'importe quoi, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire, mais à un moment donné, quand l'univers vous dit fais-moi confiance, faites-leur confiance, faites-lui confiance, parce que l'univers, il sait mieux que vous ce qui va se passer. Et souvent, il vous dit, mais en fait, tes peurs-là, elles ne sont pas fondées. Si tu lâches ça, peut-être effectivement que ça va être douloureux sur l'instant parce que tu es habitué, parce que tu es attaché à telle chose, telle situation, telle relation. Mais peut-être que ce que tu vas y retrouver au final, ça va être beaucoup plus épanouissant pour toi. Donc, faites confiance. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, on est bien d'accord, mais faites confiance. Et là, clairement, il y a des gens pour qui cette nouvelle lune va être très douloureuse parce que ça vient appuyer déjà depuis quelque temps. Et vous ne bougez pas. Je ne juge pas. Je l'ai fait aussi. J'ai vu à quoi ça m'a confronté derrière. Et ils ont été jusqu'au point où moi, je pouvais plus. Et là, j'ai dit, ok, j'y vais. J'ai plus le choix maintenant. Si je fais pas ça, je meurs. Donc, à un moment donné, l'instinct de survie reprend le dessus. Puis on se dit, bon, ben, on va peut-être faire quelque chose quand même. Bon, bref. Tout ça pour vous dire, si en ce moment c'est difficile, c'est parce que vous êtes en train de rester dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Appliquez ça au domaine qui vous est propre, qui est douloureux pour vous en ce moment. Quand je dis c'est douloureux, c'est pas des petites difficultés, c'est des choses vraiment, on y va avec la boule au ventre, ça nous revient sans cesse à l'esprit, ça nous rend malheureux, etc. Et puis, plus le temps passe et plus c'est difficile. Bien sûr que les difficultés font partie de la vie des fois, mais là on ne parle pas de ces difficultés-là. On parle des choses qui n'ont plus de sens, on parle des choses qui, depuis quelque temps, on sait qu'il faut agir, on sait qu'il faut faire autrement. Ça va être le moment, hein, parce que là on va vous remuer. On va vous remuer, mais bien comme il faut, pour que vous puissiez bouger. Parce que cet été, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a vraiment des belles choses. Et je vous dis ça, j'ai la chair de poule qui arrive. Il y a vraiment des belles choses pour cet été, mais il faut lâcher tout ça. Il faut lâcher le passé, il faut lâcher ce qui ne sert plus, ce qui ne vous rend plus heureux, ce que vous maintenez de gré, enfin de gré plutôt de force, parce que vous inventez entre guillemets, pardon hein, pour l'expression, mais c'est celle-là qui me vient, mais vous acharnez à lutter pour garder ça. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Lâchez. Il est temps de les lâcher. Donc, si c'est dur pour vous, c'est qu'il y a des choses à lâcher. Vous voyez où il faut lâcher. Peut-être que pour certains, ce sera beaucoup de domaines. Peut-être que pour certains, ce sera que le boulot, que le sentimental, que le relationnel, que le pro, je l'ai dit, familial, amical, etc. Il y a peut-être des choses en fait à changer. Parfois, changer, c'est pas forcément un énorme truc. Ça peut être un petit quelque chose, mais qui va tout changer derrière. Et on s'en fait une montagne, alors qu'en fait, non, pas forcément. Mais quand on voit tout ce que ça amène en positif, derrière, souvent, on se dit, ah, j'ai lutté pour rien. Parce que c'était beau, en fait, ce qui m'attendait. J'avais trop peur. C'est dommage. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Bon, c'est comme ça. On ne peut pas revenir sur le passé. Donc, appliquez ces choses-là. Si vous sentez vraiment que c'est difficile dans un domaine, c'est pas pour rien. La vie, l'univers, appelez ça encore une fois comme vous voulez, va vous faire comprendre que vous n'êtes plus à votre place à cet endroit-là, dans cette relation-là, dans cette situation-là. Donc, à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains, il faut y aller. Quand on est prêt. Et si on n'est pas prêt et que pourtant ça doit bouger, bah là, ça vous fera un truc qui va vous finir par vous faire bouger parce que ça sera tellement inconfortable que vous n'aurez plus le choix. Parfois, c'est nécessaire. Bon, c'est comme ça. Acceptez ça. Ne râlez pas. C'est ça qu'ils veulent surtout.
C'est ne râlez pas contre ça. Acceptez. Reconnaissez que c'est quelque chose qui est peut-être là pour du mieux après. Bon, ce message-là, il est passé. Donc, il y a possiblement effectivement beaucoup de revirements dans pas mal de situations, pas mal de domaines pour plusieurs personnes. Quand je dis plusieurs personnes, c'est que ça peut vous concerner vous, mais aussi d'autres personnes autour de vous. Ça ne concerne souvent pas que vous. Vous allez être nombreux à être confrontés à ces choses-là, et si ça vient vous amener des sensations d'oppression, des difficultés, alors on parle de brûlure d'estomac, on parle de la gorge, on parle de ouf, de douleur dans tout le corps qui est waouh. Il y en a tellement qui se sont figés, qui ont des douleurs partout, que le corps il se rigidifie et qui peuvent déclencher de l'arthrose, etc. Parce que, alors c'est pas en 10 minutes, hein, bien évidemment, c'est depuis plusieurs années, vous êtes rigide comme ça dans votre positionnement par rapport à une situation ou une relation. Et du coup, le corps, il reste comme ça, figé. Donc oui, pour ces personnes-là, ça va être très très douloureux. Des maux de tête aussi. Ouais, et on parle de l'estomac, toute la sphère digestive, etc., les intestins, tout ça. Ça risque d'être un peu compliqué pour certains. Bon, j'ai envie de dire, hein, de toute façon, si c'est là, on n'a pas trop le choix. Bien évidemment, on ne met pas tout sur le dos des énergies. Si vous sentez qu'il y a un problème de santé, il ne faut pas hésiter à consulter. Bien évidemment, hein. On est raisonnable aussi, hein. Alors, bon, forcément, on a parlé des mots physiques, mais de l'émotionnel. Alors, tout ce qui n'est pas bien. Pourquoi on me dit bien rangé? Je ne sais pas si c'est bon, rangé le bon mot, mais on me dit bien rangé. Bon, bah, je vous dis ce qu'on me dit. Tout ce qui n'est pas bien rangé. va ressortir. Donc, on parle beaucoup de colère, d'irritabilité, de besoin de solitude, possible conflit, des choses qui ont besoin de sortir, etc. Ouais, bah, en le sachant, on fait attention. Des colères, des peines, des pleurs, des deuils à faire qui sont pas faits. Que la personne elle soit décédée ou que ce soit juste une rupture, hein. Ça s'appelle un deuil aussi, hein. C'est à un moment donné, il faut faire aussi le deuil de certaines relations. Donc tout ça, ça peut revenir en mémoire. Il y a des choses à comprendre aussi par rapport à ça. On vous invite à revoir des choses du passé, donc ça va revenir en termes de souvenirs. Mais ça peut être aussi parce qu'on va croiser ces gens-là, on va avoir des nouvelles de ces gens-là. Ouais, ça me fait des frissons. Il y a des choses à ranger. C'est pour ça qu'on me dit ça. Il y a des choses à ranger parce que on avait perçu la situation ou la relation en question d'un certain point de vue à ce moment-là. Peut-être que ça fait que quelques mois ou peut-être que ça fait déjà plusieurs années. Mais tout ce qui n'est pas clos émotionnellement parlant va refaire surface. Il y a des contacts aussi qui doivent se refaire. Alors, on vous parle de ce premier point de vue qui était là il y a quelques mois, quelques semaines ou quelques années en arrière. Ces choses-là vont revenir à vous pour que vous puissiez percevoir votre avancée sur cette situation-là ou cette relation-là. Vous allez avoir un nouveau point de vue. Peut-être que vous allez comprendre le point de vue de la personne en question. Et vous allez vous dire, ah, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais focalisée sur ce que je ressentais. J'avais pas perçu que la personne, elle pouvait être en souffrance à ce moment-là. C'est un exemple, mais voilà, ça peut être des choses comme ça. Peut-être effectivement qu'à ce moment-là, bon, j'aurais pu réagir autrement parce que la personne, elle a peut-être ressenti ça.
Et le fait qu'il y ait du temps qui soit passé va vous permettre de vous comprendre mieux mutuellement, parce que ce n'est pas que vous qui allez changer d'optique, c'est aussi l'autre personne. Ça ne veut pas dire que vous aviez tort à l'époque, hein, parce que ce que vous avez ressenti, vous l'avez ressenti. C'est qu'il y avait des blessures qui étaient activées. Mais maintenant que ces blessures sont peut-être plus avancées dans leur guérison, peut-être même guéries complètement, je ne sais pas, eh bien, là, vous voyez les choses autrement. Là, vous voyez la chose de la façon dont a pu l'apercevoir à l'époque cette personne. Et ça va vous inciter à être plus dans la compréhension. Et en ce sens, il y a des belles explications qui vont avoir lieu. Il y a des belles évolutions qui peuvent suivre. Alors, je pense flamme jumelle parce qu'on me dit flamme jumelle, mais peut-être pas que dans ces relations d'âme. Il y a peut-être des retrouvailles aussi avec d'autres personnes du passé. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont devoir être closes parce que ça n'était pas le cas. Donc, à voir en fonction de ce qui va se présenter. Soit c'est une clôture, soit c'est une avancée vers un nouveau départ avec la relation où on va être confronté à la même situation et là cette fois-ci on va voir les choses autrement et du coup on va évoluer autrement par rapport à ça. Donc c'est bien, il y a des clôtures qui vont amener des belles avancées puisque ce qu'on clôt à un moment donné va ouvrir autre chose. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on va être aussi dans des. Parce qu'on parle du signe du taureau, il est possible aussi qu'on soit amené à être confronté à à des situations plus en lien avec. Je sais pas, j'ai le terme d'harmonie. Est-ce que c'est justement, bah on parlait justement de s'harmoniser sur des points de vue, mais peut-être que ça va amener une harmonie dans les relations. Mais il n'y a pas que dans des relations, hein. On va chercher une harmonie dans les relations, oui, mais ça peut passer par des conflits avant, des clôtures ou des réouvertures de portes. Mais ça peut aussi amener une harmonisation dans le sens où, à l'intérieur de soi, comment je pourrais dire ça? À l'intérieur de soi, il y a aussi ce besoin de se réconcilier avec soi-même, dans notre psyché, avec notre corps aussi. Toutes les personnes qui ne sont pas OK avec ce qu'elles sont, psychiquement, émotionnellement, corporellement, il va y avoir des avancées aussi là-dessus, beaucoup plus de compréhension avec soi-même. Beaucoup plus de bienveillance et de douceur aussi envers le corps, ce corps qui, depuis quelque temps, effectivement, est malmené. Alors, malmené soit parce que on fait pas ce qu'il faut pour lui, on n'en tient pas forcément compte dans son quotidien, on n'en prend pas soin comme on devrait le faire, ou alors parce que effectivement, il y a eu pas mal de mises à jour au niveau énergétique, pas mal de ressentis de la part des autres, je pense aux hypersensibles aussi qui viennent et qui trinquent aussi. Corporellement, émotionnellement parlant, parce qu'ils épongent tout ce qu'il y a autour. Donc, peu importe dans quelle situation vous vous retrouvez là-dedans, le corps, il a aussi pris. Il a besoin aussi qu'on s'occupe de lui, qu'on se réconcilie avec lui si on n'était pas bien dans son corps, ou si on en veut à son corps, si on est en colère contre son corps. Le corps, il va être. Mise à l'honneur, entre guillemets. Il est peut-être question aussi d'apporter plus de douceur, de bienveillance à son corps, à la façon dont on le perçoit. Je pense aux femmes notamment, alors plus en majorité, parce que souvent il y a des problématiques avec le corps chez beaucoup de femmes. Je dis pas que c'est le cas de toutes les femmes, et je dis pas que les hommes n'ont pas de problématiques avec leur corps. Mais souvent ce qu'on perçoit, c'est cette difficulté à accepter son corps quand on est une femme, parce que il est pas assez ceci, il est trop cela, machin, etc. Et là, il y a vraiment cette idée de je prends soin de mon corps parce que c'est moi, parce que c'est bah oui, le véhicule dans lequel on évolue et il sera là toute notre incarnation terrestre. Hein. Donc, à un moment donné, si on n'en fait pas un allié, c'est compliqué.
Il y a vraiment cette idée de le prendre en compte, alors soit un peu plus si vous le faites déjà au quotidien, soit le prendre en compte vraiment si vous ne le faites pas au quotidien. Et il y a vraiment cette idée de se réconcilier avec ce corps, de comprendre que ce corps, il est un allié et non pas un ennemi. Waouh! De lui apporter de la douceur, d'accepter aussi les plaisirs qu'il peut amener. Alors les plaisirs dans tous les sens du terme, hein, que ce soit au niveau de ce qu'il nous apporte en termes de vue, en termes d'odeur, de saveur, de sensation dans notre corps ou sur notre peau. Voilà, il y a vraiment cette idée de waouh, c'est super en fait de ressentir tout ça. Il y a peut-être des gens qui n'étaient pas forcément connectés avec le ressenti au niveau du corps aussi. Donc il est vraiment temps d'intégrer ces choses-là. De même que si vous sentez que vous n'avez pas... alors je pense aux personnes, parce que j'ai eu deux personnes là, récemment avec un refus d'incarnation et j'ai l'impression que toutes les personnes qui vont être en refus d'incarnation encore présentement peuvent être amenées à travailler sur ce refus d'incarnation pour vraiment incarner ce corps, être dans leur corps au quotidien et non pas chercher à être tout le temps là-haut. Donc vous pouvez aller voir la vidéo sur le refus d'incarnation, moi je vais me le noter pour vous le mettre. Pour vous le mettre en haut et puis bah si ça se met pas parce que des fois ça se met pas malgré que je l'ai mis allez la voir. Donc c'est le refus d'incarnation et puis on a parlé de l'éveil spirituel tout à l'heure ouais il y a des belles avancées j'ai l'impression parce que si on s'occupe de nous des besoins de notre corps etc nos besoins à nous aussi forcément on est plus rayonnant envers les autres également donc on comprend cette dynamique d'harmonisation aussi. Mais en tout cas, ça va brasser beaucoup d'émotions. On me dit notamment s'il y a des problématiques avec le corps, il y a peut-être des problématiques avec la blessure d'injustice et aussi beaucoup d'humiliation. Travaillez, si vous vous sentez concerné par ça, travaillez en priorité ces deux blessures-là parce que il y a du costaud, j'ai l'impression, hein. Donc, on essaie de s'amener une bonne image de soi. D'arrêter de se dévaloriser, etc. Blessure du rejet aussi peut amener ces choses-là. Donc on essaie de travailler ça. Hein, si... On va faire toutes les blessures en fait. Quand j'y réfléchis, toutes les blessures peuvent amener ça, aussi bien l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation, les cinq, elles peuvent amener l'impression de ne pas avoir de valeur aux yeux des autres, etc. Ou une mauvaise image de soi. Donc finalement, j'ai envie de dire, si vous vous sentez concerné, travailler dessus par rapport à ce qui remonte. Hein. Prenez en compte ce qui remonte là maintenant et là vous saurez sur quoi travailler. Donc c'est des choses que vous pouvez faire seul ou éventuellement si vous avez besoin d'aide, forcément, sachez que je peux vous aider également. Hein. Bien sûr, à travers les soins, à travers l'hypnose, à travers la médiumnité, il y a des choses aussi qui passent très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, pas pour cette sphère-là. On va parler des flammes jumelles. Bon, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les flammes jumelles? Bon, bah forcément, sans surprise, hein, s'il y a des gens qui sont muets, flammes jumelles aussi. J'ai envie de vous dire, on n'échappe pas au truc, hein, surtout pas les flammes jumelles. J'ai un gros poids là. Alors, on va voir des... On parle des runners. Alors, petite mise au point, parce que régulièrement on me pose la question, donc maintenant j'essaie d'y penser systématiquement, vous le dire. Le masculin égale le runner. Le féminin égale le chaser. Première partie de parcours, on est à peu près jusqu'au moment du switch. Un petit peu avant, et on considère en gros, hein, en gros que à partir du switch, on a... la deuxième partie de parcours qui elle-même va se décomposer en plusieurs parties hein, parce que c'est pas parce qu'on arrive en deuxième partie de parcours que on va avoir la réunion d'office dans quelques semaines après. Non, ça peut prendre cette deuxième partie plusieurs années également comme la première.
Tout dépend du parcours dans lequel vous êtes. Il y a des parcours longs, il y a des parcours courts, mais je rappelle qu'un parcours court, ça peut aussi prendre plusieurs années. Il y en a qui vont être plus courts, bien sûr, mais ça peut prendre aussi plusieurs années pour certains. Alors, donc, runner masculin, sensation d'oppression, d'étouffer. Il y a une situation. Ils sont remués les runners. Ouf. Oh là 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 là. Bon, ça va être dur. Ça va être dur pour certains runners. Ils sont en train, mais d'être bousculés. Ça me fait mal. Ça me fait mal pour eux. Ils sont en train d'être bousculés. Les pauvres, ils sont là en train de lutter. On m'amène une image comme s'il y avait une tempête qui se retrouve dans la mer. Et en fait, ils ont beau essayer de nager. Eh ben, ils restent au même point, ils sont portés par l'eau, etc. Et en fait, ils sont en train de lutter, mais ça sert à rien. Ils sont en train de s'épuiser plus qu'autre chose. Lâchez prise. Lâchez prise. Après, hein, ça reste des runners, donc ils feront ce qu'ils voudront. On sait bien comment ils sont. Mais si toutefois, il y en a qui sont un petit peu ouverts aux trucs et aux conseils et qui sont en mesure de les appliquer, ben, allez-y. Voilà, c'est qu'il y a déjà un certain degré d'acceptation de cette notion de contrôle qu'on ne peut pas contrôler justement, qui est présente. Ça veut dire que vous avez déjà bien travaillé, donc c'est super. Donc tenez-en compte, ceux qui sont concernés par ça, tenez-en compte, parce que ça sert à rien de lutter en fait. Vous ne pouvez pas contrôler les choses. Vous avez beau essayer d'oublier votre féminine, votre chaser, elle reste là. Parce que vous avez un lien avec elle, en fait. Donc, ça sert à rien de lutter. Ce lien, il va rester, il va persister, il sera là jusqu'à votre décès et même encore après. Donc, puisque ça a déjà été le cas, hein, depuis plusieurs incarnations, et vous êtes toujours alliés. Donc, à un moment donné, arrêtez de lutter. Votre féminine, vous avez de l'amour pour elle. Oui, elle a de l'amour pour vous. Oui, acceptez. Acceptez ça déjà dans un premier temps. Après, si vous êtes obstiné à être dans une situation qui ne vous convient plus, oui, vous avez peut-être fait des sacrifices pour cette situation ou pour une relation, bien évidemment. Maintenant, il est temps de lâcher aussi cet aspect-là de j'ai investi quelque chose, il faut que je récupère mon investissement. Ça marche pas, ça marche pas. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je l'entends comme ça. Quand est-ce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin? Là, c'est eux qui parlent, hein. C'est pas Jenny, hein. Jenny, elle transmet, hein. Quand est-ce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin? Quand est-ce que vous allez comprendre que tout ce qui bloque vous fait comprendre, doit vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin? Je pense que là-haut, ils sont en train de se dire, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour qu'ils comprennent? Bon, bah, je ferai vos compréhensions au fur et à mesure. S'ils doivent en faire ce qu'ils ont fait avec moi, ils iront jusqu'à là et c'est pas de gaieté de cœur pour eux, sachez-le. Ils ont énormément de compassion pour nous. Je la ressens là. Ça m'émeut. Je pense que ceux qui sont sensibles ressentent, ils ont énormément de compassion pour nous. Le fait de nous mettre dans des situations où ça nous fait souffrir. Je suis désolée. Parce que du coup, je pleure. Les larmes coulent toutes seules. Le fait de nous mettre dans une situation où ça nous fait souffrir le martyr, c'est très difficile pour eux. Mais il n'y a que comme ça que l'on va comprendre souvent. Alors, souvent, on a déjà eu des messages avant, hein, mais on ne les a pas écoutés. On n'a pas été, voilà, on coopère pas, etc. C'est dur pour eux d'en arriver à nous pousser jusque-là. Et là, je l'ai ressenti.
Je l'ai vraiment ressenti, c'est très dur, c'est très souffrant aussi pour eux de nous dire, mais de se dire, qu'eux se disent, oh, mais on est obligé de le faire passer par là, parce que sinon il ne comprend pas en fait. Alors il ou elle, hein, après vous adaptez. Waouh! Je ne sais pas quoi vous dire à part arrêter de lutter en fait. Parce qu'il y en a qui vont vraiment être muets. J'ai envie d'envoyer à ces personnes-là de la compassion parce que ils sont dans les peurs. Je pense qu'il y a beaucoup de runners dans ce cas-là. On me dit qu'il y a quelques chasers aussi, mais c'est en majorité quand même des runners. Et j'ai envie de leur envoyer énormément de compassion parce que il y a des peurs. Il y a des grosses peurs. Il y a des choses qui viennent les remuer en profondeur déjà depuis quelque temps. Et je sens certains là qui sont sur le bord du précipice et qui se disent, mais en fait, j'ai pas le choix que de sauter. Sauf que si je saute, je vais m'éclater la tronche par terre. Et je vais mourir. Et en fait, l'univers, il est là et il vous dit, mais non, en fait, tu vas pas t'éclater la tronche au sol et tu vas pas. Partir comme ça. En fait, on met un filet. On met un filet que tu vois pas, mais t'as un filet. Saute, vas-y. Et la foi en le fait que ça va bien se passer parce qu'on est là, on va t'aider, on va faire en sorte que ça se passe au mieux pour toi. Un petit rappel, que ça se passe le mieux pour toi, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas souffrant. Je suis désolée. Mais. Forcément, on amorce un changement, on va vers l'inconnu. Vous imaginez bien que ça peut être inconfortable, que ça peut être douloureux et tout ce que vous voulez, bien évidemment. Mais une fois passé ce cap-là, vous allez voir que vous allez avoir de l'aide qui va se manifester à vous. Que ce soit financièrement parlant, si vos peurs sont financières, que ce soit en termes de soutien émotionnel, si c'est là-dessus que vous avez peur. Que ce soit par rapport à vraiment du matériel, je vais me retrouver sans rien, etc. Vous allez voir qu'il va y avoir une solution. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'en ai la chair de poule. Ils sont là. Ils sont là pour vous aider dans vos transformations. Parce que là où vous êtes, ça ne vous correspond plus. Je sens un désespoir chez eux. De dire, mais on est là en fait. Si tu pouvais voir à quel point on est là. Et il y en a beaucoup qui sont tellement dans le côté, mais je souffre depuis tellement de temps que là je vais m'éclater, quoi. C'est pas possible. Et pourtant, non, vous n'allez pas vous éclater. Pas vous éclater au sol, vous n'allez pas mourir de ça. Non, vous allez avoir des solutions. Croyez-y, demandez-leur de l'aide. Vraiment, faites-le, faites l'expérience, vous n'avez rien à perdre, faites-le. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc là, on est sur des runners quand même qui sont, je pense, en deuxième partie de parcours. Qui sont dans un truc là qui est très costaud. Et qui se disent, mais en fait, tout est en train de s'écrouler. Qu'est-ce que je fais, quoi? Quoi que je fasse, de toute façon, c'est. Bah non, en fait. Non, non. Sachez prendre la décision qui est la mieux pour vous. Quand je dis la mieux pour vous, c'est écouter votre cœur. C'est pas écouter vos peurs. Et plus vous allez avoir de peur, plus on va vous y confronter pour justement les évacuer, les libérer. Ce n'est pas pour rien si certaines situations se représentent. C'est pour que vous puissiez libérer ça et que vous puissiez comprendre qu'il y a des solutions, qu'il y a une autre façon de faire, etc. Et souvent derrière, c'est mieux. Ah, je peux vous le dire, hein, moi derrière, j'ai le burn-out, l'hospitalisation, la chute dans les escaliers qui m'a valu. 2 mois et demi d'arrêt de travail, parce que j'avais entorse du genou, entorse de l'épaule. Ça a fini par un accident. À un moment donné, j'ai dit, ok, là, le cinquième truc, je le sens pas. Donc là, ouais, je vais vous faire confiance, parce que là, j'ai pas d'autre choix. Donc j'y vais.
Et je vous promets qu'aujourd'hui, je regrette rien. Je ne regrette rien, absolument rien. Ça a été très dur, émotionnellement parlant, ça a été très dur. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien. Il a fallu que j'en passe par là. Je m'étais obstinée, bien évidemment, à rester dans mes peurs. Mais aujourd'hui, je regrette rien. Et il y a vraiment cette notion de, allez, il faut y aller maintenant. Tous les renards qui sont bien, bien, bien secoués là, on va vous faire secouer tout ce qu'il y a à secouer. Alors oui, ça va être dur, mais c'est pas pour rien. C'est pour du bon derrière. Et pour ces runners-là, il y a des belles choses qui se décantent sur l'été et sur l'automne. Donc allez-y, avancez. J'ai encore la chair de poule là qui. Waouh! Allez-y, avancez, faites ce qu'il faut. Vous le sentez qu'il faut faire les choses. Faites-le. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Vous ne pouvez pas empêcher tout le monde de souffrir de vos actions. Bien sûr que quand on a des actions, des décisions, quand on acte, ces décisions, bien sûr qu'il y a potentiellement des effets sur les uns et les autres. Des effets qui peuvent être positifs aussi, hein, ça arrive, hein, bien évidemment. Mais aussi des effets négatifs, malheureusement, parfois. Et ça, bah, vous ne pouvez pas forcément l'empêcher. Peut-être que ça fait aussi partie de leur chemin de vie de vivre cette expérience-là douloureuse. Et qu'en ce sens, vous participez à leur évolution. Comme d'autres personnes ont participé à votre évolution à vous, à un moment donné dans votre vie, et ça a été douloureux. Mais vous êtes relevé. Vous êtes encore là. Et bien, ça sera pareil pour ces personnes-là. Arrêtez de vous empêcher de vivre pour les autres. On vous demande de vivre pour vous. Ouh, c'est du costaud, hein? Donc là, je pense que vous allez être brassé jusqu'à l'été, voire l'automne, pour vraiment tout nettoyer ces runners-là de deuxième partie de parcours. On est en début, hein, de deuxième partie de parcours pour ces runners-là. Bon, pour les féminines qui correspondent à ces masculins-là, donc les chasers ici, hein, pour les chasers qui correspondent à ces runners-là, on a des chasers qui vont être bousculés aussi parce qu'on est en train de nettoyer les fonds de tiroir chez ces féminines-là. Donc il y a des petites choses qui peuvent passer aussi. C'est pas le drame parce que la féminine, elle a bien bossé, elle est en complétude quand même pas mal. Pas forcément à 100%, mais elle est très très bien avancée. Donc là, ce qui va remonter, c'est des fonds de tiroir. C'est des choses qui ont déjà été bossées plutôt bien. Donc, c'est possible qu'il y ait des petites choses un peu plus costauds qui se présentent, mais c'est pas la grosse cata. C'est des choses qu'elle va réussir, sur lesquelles elle va réussir à rebondir. Et qu'elle va réussir à se débarrasser assez facilement finalement. Elles peuvent ressentir aussi les souffrances de leur masculin. Si toutefois vous êtes dans ce cas-là, que vous ressentez les souffrances de votre masculin, si vous vous sentez aligné avec ça, envoyez-lui de l'amour. Il est en train de lutter, il est en train d'en baver. Envoyez-lui de l'amour. Dites-lui en 5D que vous êtes en confiance par rapport à lui, par rapport à ses capacités à se sortir de cette situation, etc., etc. Accompagnez-le, soutenez-le. Et si dans la matière, il vous demande un petit coup de main, pourquoi pas? Je ne suis pas sûre qu'il le demande, mais bon, s'il y en a qui le font et que c'est aligné avec vous, faites-le. Ou au moins du soutien. Si après c'est pas aligné parce qu'il reste des résidus de colère, des choses comme ça, le faites pas bien évidemment. Parce que du coup, c'est pas aligné. Sur les deuxièmes parties de parcours, alors je suis désolée parce qu'on ne me l'a pas donné dans l'ordre cette fois-ci. Sur les deuxièmes parties de parcours qui sont un peu plus avancées, il y a des constructions. Ça avance tout gentiment. Il y a des petites choses qui remontent.
Des petites choses qui remontent chez l'un et chez l'autre, mais vous allez vous en sortir. Vous avez compris qu'il fallait communiquer. Vous avez compris en avançant sur le parcours, sur vos guérisons à tous les deux, que des fois l'autre pouvait ressentir telle chose de telle manière et vous allez faire attention à ça. Vous adapter sans vous renier, sans renier vos besoins, mais adapter votre discours, votre façon d'agir peut-être à ça. Et c'est mutuel, c'est pas dans un sens ou dans un autre, c'est mutuel. C'est très bien, ça avance petit à petit. Voilà, des petites frictions sont encore possibles, mais c'est pas la cata, c'est pas des gros trucs, c'est voilà, des petits ajustements qui sont en train de se faire. Ça s'équilibre pour aller vers des belles choses aussi. Bon, première partie de parcours, du coup, c'est pour ça que je disais qu'on n'était pas dans l'ordre. Hein. Première partie de parcours, qu'est-ce qu'on va vivre. Alors, les masculins, première partie de parcours, donc runner, première partie de parcours, il est possible qu'il y ait encore des allers-retours. Bon, c'est première partie de parcours, c'est pas étonnant. On a des masculins là qui sont revenus vers leur féminine, qui peuvent effectivement repartir. Qui vont essayer comme ça de revenir, repartir, parce que là le portail il les perturbe quand même pas mal. Et il est possible que bah, on revient, mais derrière on repart parce qu'on culpabilise, parce que ceci, parce que cela, et puis bah, ça va faire comme ça peut-être deux, trois fois pendant ce portail là jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, ouais. Ça peut être costaud aussi pour les féminines qui vont vivre ça, pour les chasseurs qui vont vivre ça, qui vont être complètement dans une incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi il est revenu vers moi si c'est pour partir. Tout simplement féminine, parce que ton masculin, il a peut-être eu des peurs qui sont remontées, parce que tu as amené beaucoup d'amour, beaucoup de choses, etc. Et puis bah, que ton masculin, il est encore effrayé par l'amour, il est encore effrayé par ça, donc bah. Oui, il repart. Alors pour peu qu'il y ait une tierce entre les deux, alors là, culpabilité envers cette chaiseur, envers sa tierce. Peu importe de quel côté est la tierce, hein, mais voilà, comment je peux être comme ça? La blessure d'humiliation, de rejet, etc. Elle va être très présente chez les masculins sur ces 15 jours là, de nouvelle lune. Il est possible qu'il y en ait certains qui s'auto-sabotent bien comme il faut parce que sont tellement dans leur blessure de rejet qu'ils se disent non mais en fait je suis pas quelqu'un de bien etc. et qui quelque part inconsciemment se punissent via l'auto-sabotage. Bon bah oui, bah, il y a des petites choses à travailler hein, cher runner de première partie de parcours, si toutefois vous entendez ça, ça peut se travailler en soins énergétiques ou en hypnose, enfin voilà, on voit l'outil qui est le mieux adapté à votre situation bien évidemment. Mais c'est des choses qu'on peut travailler, ça c'est une bonne nouvelle. Mais bon, à ce moment-là de parcours, en général, on n'est pas là-dedans en première partie de parcours quand on est runner, c'est pas encore le moment. Donc ouais, encore des allers-retours, et féminine, il faut pas se dire que mon masculin il revient, du coup c'est qu'il a compris. Non, en fait il n'a pas encore tout à fait compris. Vous n'êtes pas encore assez avancé sur votre parcours pour qu'il puisse prendre le relais. Je prends cette image-là parce que c'est vraiment évocateur de comment ça se passe sur le parcours. Vous avez un premier participant dans le relais, l'épreuve de relais, qui va faire tout un tour de terrain et qui après amène le relais au deuxième qui lui va faire son tour complètement. Eh bien, si le premier il n'a pas fini son tour et qu'il passe pas le relais, le deuxième il peut pas commencer à bosser. Bah, c'est la même chose ici. Ça veut pas dire que la féminine elle a pas fait son boulot, ça veut pas dire qu'il faut la culpabiliser. Non, elle n'a pas fini sa partie à elle. Donc, le runner il peut pas prendre le relais. C'est une question de timing, c'est pas une question de c'est pas bien, t'as pas fait ce qu'il faut, etc. On est bien d'accord, on n'est pas dans la culpabilisation du tout. Ça, je déteste ça quand on culpabilise les féminines. On en a gros quand même sur la patate pendant tout le parcours, et quand on entend en plus, mais parce que t'as pas assez bossé, gna gna gna. Oui,
Bien évidemment, il faut que la féminine, elle bosse pour qu'après son masculin, il prenne le relais quand c'est le moment. Mais ça ne veut pas dire que si le masculin n'a pas commencé son travail, que c'est de la faute de la féminine. Elle prend le temps qu'il faut pour guérir ses blessures. Parce que il n'y a que comme ça que son runner, il pourra prendre le relais. Donc il ne faut pas la culpabiliser. Moi, je n'aime pas ça. On n'est pas là-dedans. Mais oui, c'est un fait. Quand la féminine a bien avancé sur ses guérisons, son runner peut reprendre le relais. Il peut faire sa partie à lui. Mais ça n'est pas de la faute de la féminine. Il y a une petite nuance et j'y tiens à cette nuance-là. Bon, des silences, hein, des silences sur cette première partie de parcours qu'il va falloir effectivement comprendre comme des pauses, hein, dont le runner a besoin après, malgré tout, un aller-retour. Hein, il est venu, on a discuté, c'est peut-être passé des choses physiquement parlant, etc. Je ne sais pas, pour certains peut-être. Il y a peut-être eu des mots, des choses qui ont fait comprendre à la féminine qu'elle était importante pour son runner, etc. Et puis bah, finalement, bah, encore une contradiction de son runner qui repart, qui d'un seul coup donne plus de nouvelles, etc. C'est incompréhensible quand on est un chaser, parce que nous, quand on revient, on a cette notion de on y va. Hein, on y va, c'est bon, les obstacles sont évincés de tout ça, et puis on y va, on est prêt, on y va. Donc quand on lance quelque chose dans un sens, on revient rarement en arrière. Par contre, il est important pour la féminine de comprendre que son runner, quand il repart, souvent c'est parce qu'il a eu des peurs qui sont remontées. Et c'est pas évident. C'est pas évident à gérer. Dans ce moment-là, souvent, il est submergé en termes d'émotions. Et dans mon switch, je l'ai vécu. Donc, je peux vous dire que là, oui, j'ai compris ce que c'était. Et j'ai compris qu'effectivement, ils étaient en incapacité totale de communiquer sur ce qu'ils ressentaient. Parce qu'ils ne pouvaient pas identifier ce qui se passait. Il y a une émotion qui arrive, on sait à peu près ce que c'est. Ok, mais là, il y a une émotion là, une émotion là, une émotion là, une émotion là, et on sent que ça se rajoute et que ça se rajoute et que ça se rajoute. Et en fait, on est envahi, on ne sait plus. Je sais même pas si on sait encore comment on s'appelle. C'est vraiment très très déstabilisant. Et à ce moment-là, on a l'incapacité, il y a comme un bug en fait qui se crée au niveau du cerveau et on ne sait plus. On ne sait plus comment agir, on ne sait plus ce qu'on doit dire, on sent qu'il y a des attentes de l'autre côté. Et on est incapable de faire le moindre petit truc qui nous paraît simple et pourtant on n'arrive pas à le faire. Et c'est vraiment très difficile. Et effectivement, il n'y a qu'une solution pour se sortir de cette saturation émotionnelle, c'est de prendre de la distance et on n'est même pas en capacité de l'expliquer à ce moment-là. Et ça, c'est hyper dur. C'est de la frustration, c'est de la culpabilité, c'est on répond pas aux attentes de l'autre, on ne sait pas pourquoi on est comme ça, on sait pas pour, on se sent bête, on se dit mais pourquoi je suis incapable de faire ça, alors que ça paraît très simple, etc., etc. Donc effectivement, le runner, il va se mettre dans sa grotte, comme je dis, et il va décanter toutes ces émotions-là. Parfois, il va en profiter aussi pour faire des compréhensions. Et souvent, quand il revient, il va revenir comme une fleur, parce que bah, comment revenir sinon? On peut pas revenir là-dessus puisqu'on l'a pas forcément compris. Et ça, c'est très dur. C'est très dur à entendre pour un chaser. Maintenant, le switch est bien fait puisque dans le switch, l'un et l'autre vont avoir des situations qui vont faire comprendre ce qui s'est passé de l'autre côté, dans le passé, bien évidemment, pour l'autre. Donc, c'est intéressant cette phase de switch. C'est perturbant. Aussi, mais ça c'est très très formateur. Et pour ces féminines qui vont vivre encore bah, des allers-retours, effectivement, bah, vous en êtes à un stade que vous ne comprenez pas parce que vous ne l'avez pas vécu. Vous allez le vivre plus tard, là vous entendez les choses, mais quand vous allez le vivre, vous allez dire, ah oui, ça effectivement j'en ai entendu parler. Mais tous les mécanismes par lesquels vous devez passer pour faire cette expérience-là vous-même, vous les ferez, vous les ferez, vous les ferez. Mais c'est pas parce que vous aurez entendu ça que vous allez pouvoir l'intégrer comme si vous l'aviez vécu.
Et ça, moi aussi, je l'ai vécu dans mon parcours. Je m'étais beaucoup renseignée, comme toute chaseuse. J'avais regardé des heures de vidéos sur les FJ. Et pour autant, bah, quand ça m'est arrivé, j'étais incapable de rappuyer sur le bouton et de dire, ah oui, non, mais attends, c'est ce truc-là, gna, 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 donc il faut que je fasse ça. Non, bah non, parce que comme le runner, on fait nos compréhensions en les vivant, en allant au bout de notre truc. Donc, si on n'en passe pas par là, on a beau savoir qu'est-ce que ça amène, pourquoi c'est comme ça, etc. Parce qu'on a eu toutes les infos avant. Si on ne l'a pas vécu, on ne l'intègre pas. Voilà. Donc là, oui, on vous donne des infos, mais derrière, vous allez aussi l'expérimenter. Et vous l'expérimenterez en temps et en heure quand ça sera bon pour vous, pour votre parcours, pour votre lien. Et voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. En même temps, 50 minutes de vidéo. Oui, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle, dans les ressentis, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Likez aussi, commentez, likez, partagez, parce que ça amène une visibilité supplémentaire à la chaîne. Et du coup, plus de personnes pourront voir cette vidéo proposée dans leur fil d'actualité sur YouTube. Voilà. Donc ça peut aider plus de personnes si vous likez, si vous commentez. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et belle journée ou belle soirée à vous. À bientôt.